Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui une méthode pour farmer très rapidement et très efficacement des lumens, à condition bien évidemment d'avoir le dernier DLC si je ne me trompe pas, puisqu'il va s'agir d'utiliser la mission, le siège de l'esprit tutélaire sur le cosmodrome. Donc je ne sais plus vraiment si cette mission est disponible lorsque vous n'avez pas le DLC. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, j'essaierai de vous proposer prochainement une autre méthode qui ne nécessite pas le DLC pour farmer des lumens plus rapidement. Donc là, voici notre mission. Donc on envoie la mission de l'esprit tutélaire et on va se rendre jusqu'au boss final, donc à l'ogre, une fois que vous avez vaincu tous les sbires d'Omnigul. Donc l'idée, c'est de traverser complètement la salle, donc vous passez au milieu de cette plateforme et vous allez vous cacher tout au fond de la salle, donc dans un tout petit recoin où vous allez pouvoir spawn kill les ennemis. Donc pour cette technique, je vous recommande bien évidemment de vous munir de munitions violettes, puisque le spawn d'ennemis va être très très rapide et très successif. Donc vous pourrez voir qu'à cet endroit précis de la map, l'ogre ne pourra jamais jamais vous toucher, donc vous serez complètement à l'abri de la force de Kropta. Il vous suffira d'attendre simplement le spawn des ennemis qui va avoir lieu juste devant vous. Alors bien évidemment, pour que cette technique soit vraiment des plus efficaces, je vous invite à ne pas oublier de mettre une idole de cire noire, puisque ce sont, comme je vous le rappelle, des ennemis de la ruche, et donc vous allez pouvoir librement spawn kill les ennemis. Donc je viens de faire une première vague, j'ai juste le temps de recharger mon lance-roquette et la deuxième vague spawn déjà. Donc d'autant plus que ce sont des ennemis de niveau supérieur, donc vous allez faire environ 70 à 80 lumens, sachant que les vagues s'enchaînent successivement sans jamais s'arrêter, à condition bien sûr que vous ne laissiez pas un seul ennemi filer. Donc voilà, c'est une très bonne méthode, il y en a beaucoup d'autres, je vous l'accorde. N'hésitez pas d'ailleurs à ce sujet à faire part de vos techniques dans les commentaires. Après, chacun sa méthode, chacun utilise l'astuce qu'il préfère. Je vous donne une technique, il y en a beaucoup d'autres, j'en suis consciente. En attendant, voilà, moi je partage les informations, c'est tout ce qui m'intéresse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!